Regardez comme c'est beau! Regardez! Tout en petit dessin et tout. Alors, n'hésitez pas à me dire pour le son. Si c'est bon ou pas. Et le menu est en français. J'ai pas lancé le jeu. J'avais vraiment rien envie de me spoiler. On va partir du principe que le patch va bien marcher. Il y a eu des tests et tout qui ont été faits, donc il y a de grandes chances. Oh! Ce petit pouit-pouit! Alors, j'ai déjà regardé les paramètres et tout. On est parti, mesdames et messieurs, pour découvrir Omori. Petit jeu, du coup, un peu RPG. Un peu, je crois, RPG Maker. Dans ce style-là, en tout cas. Ça est un petit peu dans le style de Undertale, Pocket Mirror, etc. J'ai très, très, très hâte de voir ce que ça donne. En plus, on va découvrir le jeu en français. Un énorme GG et un énorme bravo à toute l'équipe qui a fait la traduction d'Omori. Il faut savoir qu'ils l'ont fait sur leur temps libre, que la traduction est complètement gratuite et qu'apparemment bah, ils ont vraiment pris leur temps pour faire un truc vraiment quali, etc. Ça s'appelle Omori en français. Ils ont un site web si jamais vous voulez aller voir et si jamais vous voulez avoir la trad pour vous-même. Le petit patch se télécharge en 3 secondes, vous le mettez, ça marche direct, c'est trop bien. GG à eux, franchement, c'est trop trop cool, parce que ça va nous éviter de pas comprendre la moitié de l'histoire et de galérer et de mettre 10 plombes à tout traduire. C'est parti. Le son m'a l'air bon, vous me redirez. C'est parti, ne perdons pas de temps. Ah oui, alors c'est Z, faut que je m'y fasse. Coucou coucou, tu vas bien? C'est peut-être fort pour moi, par contre. Ne t'inquiète pas. Oh, ça marche en français. C'est trop bien. Tout va bien se passer. Et du coup, voilà. Apparemment, il y a une petite alerte quand même au début du jeu, comme quoi ça aborde des sujets un peu durs. Quoi qu'il arrive. Ça parle un peu de... Promets moi qu'on sera toujours là, l'un pour l'autre. Ça parle un peu de dépression, etc. De voilà, thème un peu dur. Si jamais vous craignez, évidemment. Promets-le-moi. Et je rappelle que aucun spoil ne sera toléré, s'il vous plaît. Bienvenue dans l'espace blanc. Ok. J'adore le petit côté papier qu'il y a derrière. Le petit effet papier là. Tu vis ici depuis aussi longtemps que tu t'en souviennes. Moignon, la demoiseau. Mignon, le demoiseau. Ah, j'avais pas compris. Je sens qu'il va y avoir des musiques de dingue. Lisa? Lisa? Ah. T'es sur le Discord avec Sixem? Si tu peux me le mettre en suggestion. Ou demander à quelqu'un de le faire. S'il te plaît. Alors, ça y est, je joue. Hein. Oh, y'a un petit chat! Qu'est-ce que tu attends? Oh, il parle. Oh, il est trop mignon. Ah, il y a une énorme boîte de mouchoirs. Botte un mouchoir pour essuyer tes peines. D'accord. Tu as allumé ton PC. Oula, moi c'est fort, je baisse. Que souhaites-tu faire? Fixer l'écran. Pourquoi c'est un mur? Ouvrir ton journal intime, te déconnecter. Je vais ouvrir mon journal intime. Journal d'Omori. Aujourd'hui j'ai passé du temps dans l'espace blanc, tout allait bien. Aujourd'hui j'ai passé du temps dans l'espace blanc, tout allait bien. Aujourd'hui, j'ai passé du temps dans l'espace blanc. Tout allait bien. Ouais. Ah, aujourd'hui, j'ai rendu visite à mes amis. Tout allait bien. Aujourd'hui, j'ai passé du temps dans l'espace blanc. Tout allait bien. J'ai rendu visite à mes amis. Tout allait bien. Ok. Ok. D'accord. On a l'air de s'ennuyer un peu, non? Je vais fixer l'écran. Tu as fixé l'écran. Incroyable. Que souhaites-tu faire? Bon, bah, reste déco, hein.
Soit dans Pokémon, ouais, un peu, ouais. Chaleur du PC à réchauffer tes cuisses. Oh, trop bien. C'était agréable. Ça, quand il fait froid, ça, c'est pas mal, les petits ordinateurs portables. Quel est de croquis. Il jetait un œil. Bah oui. Oh, mais c'est encore super fort pour moi. Attendez, je baisse. Voilà. C'est une musique à faire chialer, ça. Peut-être. C'est quoi, c'est un escargot? On dirait un escargot avec un visage humain. Je vois peut-être des trucs bizarres, je ne sais pas. Oh, c'est sympa, ça. Oh, j'aime bien. Ah, mais c'est le chat! Mais oui, c'est le chat! D'ailleurs, le chat me fait beaucoup penser à... au chat dans Franbo. Comment il s'appelle? Midnight, je crois. Monsieur Midnight. Il me fait penser à lui un peu. Oh, c'est le roi des chats, regardez. Oula, celui à droite, là, il est un peu... Je crois que je me noie un peu. En tout cas, nous sommes un grand artiste. C'était une tête coupée, mais non. Pas du tout. Un gâteau avec des yeux. Pourquoi pas? Il y a des jambons, il y a des jambons là, à droite. Oh, le monsieur chat qui vient nous soigner. C'est trop bien. Du steak. Ok. Et du coup, qu'est-ce que l'espace blanc? Quelque chose est tombé à proximité. Est-ce que c'est ça? Ah, ça devait pas être ça. Est-ce que je peux examiner la lampe? L'ampoule est accrochée au plafond, où qu'il soit. Regardez dans l'ampoule. Oui. C'est une ampoule. Il fait noir comme dans un four. Impossible d'y voir quoi que ce soit. L'air d'un journal me fait penser à l'air d'un Yumniki. Ah, je connais pas celui-là. Il y a une porte. C'est une porte. Une porte blanche projette une faible ombre. Que souhaites-tu faire? Ne rien faire. Ah, je peux rien faire. Tu as fixé la porte. Vraiment, mes journées, c'est ça, quoi. Ok. Attends, il y a un truc qui est tombé à proximité. Ah. Je suis très inspiré par Yumniki. Ah mince, je connais pas Yumniki. C'est un RPG, je suppose. Tu as tenu un couteau étincelant. Ah, qu'est-ce que je vais faire avec mon couteau? Parce que je peux couper la porte. Comme dans Scratch. J'utilise mon couteau partout. Ah, je peux ouvrir la porte maintenant. Attends, j'ai pas dit au revoir à monsieur le chat! What the fuck? Oula, ouais, d'accord. On va voir nos amis. Du coup, on est là, on n'est plus dans l'espace blanc. Salut Mori, on t'attendait avec impatience. Tu veux jouer aux cartes avec nous? Le retour de Nao, la psychopathe. On n'aurait pas dû me donner un couteau. On allait commencer une nouvelle partie. Oh, oups, oublie ça. Oh non, t'es sérieuse, Aubrey? Aubrey, pas Audrey, attention. Hein. T'as mis toutes les cartes en pagaille. J'étais en train de gagner en plus. Voyons qu'elle, pas besoin de te mettre dans tous tes états. C'est juste un jeu après tout. Arrête ton char, héros. Tu dis ça juste parce que t'étais en train de perdre. Ok. Mais que... Mais qu'est-ce qui... Quoi? Un tentacule sort du sol. D'accord. Tu as obtenu une peluche. J'ai une peluche? Est-ce que j'ai un inventaire? J'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai pas de... J'en sais rien. Je sais pas. Ah, il y a un petit œuf au plat, là. Ok. Il y a un dessin animé à la télé. Quatre garçons marchent sur une voie ferrée. Et ils se font écraser. Oh, c'est Monsieur le Chat? Un trou en forme de chat. Ah non, c'est juste un trou. Attendez, je regarde tout. Une balle et une batte de baseball. Pourquoi il y a des petits os au plat? Ce petit chat là, il me fait penser à Adventure Time, il est trop beau. Oh, il me suit. Oh, il est trop chaud. Il est beaucoup trop mignon.
Photo de quelqu'un de familier. Ok. Tu fais griller du pain. Bah oui. Bah donne. Tu as grillé du pain. Mais non, mais je le veux. Tu as grillé du pain. Mais je le veux. Un oreiller moelleux en forme d'une tête de fille. Canot soigneusement emballé. Un mixeur. Ah, je voulais aller voir la plante là-bas, mais je crois que je peux pas. Attends, on va parler à la nana. Pourquoi est-ce que Kel est toujours aussi méchant avec moi? Tu sais, ce bon à rien a volé ma peluche l'autre jour. Il l'a cachée quelque part dans cette pièce. Ah bah, je l'ai déjà, du coup. À quoi bon faire un truc pareil? Il est si immature. Je veux dire, je lui ai fait quoi pour mériter ça? Oh, je sais. Est-ce que tu peux m'aider à chercher ma peluche, Omori? S'il te plaît. J'ai ta peluche. Est-ce que... Serait-ce... Oh, c'était trop mignon, ce petit tour qu'elle a fait. En vrai, t'as arraché la peluche des mains. Doucement, quand même. Et Kel, regarde, c'est ma peluche. Que... Quoi? Où est-ce que t'as trouvé ça? Omori l'a retrouvée. Heureusement pour moi, j'ai de vrais amis. Bien fait pour toi, Kel. Ça t'apprendra à embêter les autres. Mais c'est Aubrey qui a commencé. Coucou Sasuke. C'est elle qui se moquait de moi car j'avais un grain de beauté sur mon... Sur ton... Quoi? Sur son quoi? Je rappelle que c'est des enfants. Hein. Aubrey? C'est bon. Sur son quoi? On saura jamais. Merde. Merci Omori, je savais que je pouvais compter sur toi. T'es le meilleur. Et Omori, je suis content que ces disputes soient enfin finies. Ces deux-là ont l'air de tout le temps se chamailler. Marie et Basile nous ont invités pour un pique-nique à l'aire de jeu. Tu as envie d'aller les voir? Bah oui. Ok tout le monde, allons voir Marie et Basile. Oh la vache! J'ai un harem, ils me suivent. Bah sur son... sur son... Hein? Sur son... Hein? Bon. Il y a un petit serpent. Tu y vas, Omori? Voici un peu d'argent de poche pour aujourd'hui. Oh, c'est trop bien! Tu as obtenu 50 palourdes. Il y a un serpent qui vient de me donner l'argent de poche. Qu'est-ce que se passe-t-il dans ce jeu? Ok, donc on voyage de dimension en dimension. Oh ouais, enfin de l'air frais! La nature, ça déchire. Allez, on y va. Et attendez une seconde. Ah bah oui, on l'avait oublié. Elle est coincée. Aidez-moi les gars, je suis coincée. Seulement si tu dis le mot magique. Kel, arrête de faire le mariole et sors-moi de là. Ok, ok, d'accord. Ouf, pas trop tôt. Désolée princesse. La musique est un peu bizarre. Poup, poup. Poup, poup. Ah bah non, mais dites pas des trucs comme ça, et dis donc. Non, non, commencez pas à dire des obscénités dans le chat, s'il vous plaît. Putain, j'adore ce ciel tout bizarre. Avec plein de dessins. Oh, y a d'autres potes. Mais y a des potes partout. Marie, Basile! Du coup, moi, je suis tout en noir et blanc. Les autres, ils sont en bleu. Oh, bonjour, Aubrey. Bonjour, tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Kel est encore méchant avec moi. Oh non. Encore? Coucou, Calicante. Merci beaucoup pour ton resub. C'est ton 23e mois. Merci beaucoup. T'es pas sous. Tu vas bien? Violet? Moi, j'aurais dit bleu, mais... Chacun son truc. Oh non, encore. Comment hostile? Je suis pas méchant. Aubrey fait juste sa pleurnicharde. Eh bien, Kel, voici une réponse bien convaincante. Quoi? Je ne sais plus qui croire désormais. Crois-moi. Non, crois-moi. Pff, du calme, vous deux. Ouais, il faut toujours que ce soit comme ça. Courage, héros. Regarde-toi à être tout responsable. J'aime vraiment ça chez toi. Coucou Sang, tu vas bien? Ah, la moustache. Pepperoni.
Sans son blague. Mince, attendez. Oh, Marie ! Pas maintenant ! De quoi ? Ah, non, j'ai pas suivi. Oh, Héro, tu sais bien que je te taquine. T'es trop mignon quand t'es gêné. Y'a du flirt, y'a du flirt. Pendant qu'on vous attendait, Basile et moi feuilletons son album photo. Vous les regardez avec nous ? Bien sûr ! Après tout, c'est nous qui sommes sur les photos, n'est-ce pas ? Basile, Basile, Matza ! Alors, je suis déjà perdu dans le nom des personnages, y'en a trop là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, Basile, prends-moi en photo ! Désolée, Kel, je prends en photo les gens uniquement lorsqu'ils s'y attendent pas. Ah, Basile, c'est celle qui a des cheveux dans les. Des cheveux dans les fleurs. Voilà. T'aimes bien prendre en photo les gens en naturel quand ils ne sont pas devant une caméra, c'est ça, Basile ? Ouais. Il y a quelque chose de spécial avec les personnes qui vivent leur vie. C'est dans ces moments que je veux les photographier. C'est-à-dire qu'on doit faire comme si t'étais pas là ? Ah ah ! Ouais, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça. Très bien, je peux faire ça. Tu veux nous montrer ton album photo maintenant, Basile ? Oh, d'accord. Mais ce n'est rien d'exceptionnel. Oh, Basile, arrête de douter de toi-même. Je suis sûre que tes photos sont superbes. Tu as raison, Aubrey. Désolée. Je vais essayer d'être plus confiant à l'avenir. Alors, Basile, c'est une fille ou c'est un garçon ? J'ai un doute. Basile, c'est plus masculin quand même. Je pense. Ouais, on est d'accord. Ouais, 6 personnages d'un coup, oui, ça. Ouais, il va me falloir un petit peu de temps, je pense. Voilà, comme ça, tout le monde peut les regarder. Alors. Oh ! C'est moi à côté, là, du coup ? En noir et blanc, je pense que oui. Shift, lire. Shift ? Marie nous apprend à faire des couronnes de fleurs. Omri et Kel tiennent celle de Marie. Elle est si belle. Oh, trop mignon. J'adore la DA du jeu. C'est très sympa. Omri et Kel ont abandonné leur couronne et sont partis faire autre chose. Mais Aubrey et moi avons vite compris le truc. Ça, c'est... Héro. Ouais, allez, je commence à retenir. Héro est toujours en train de faire la sienne. Il galère. Ça lui prend pas mal de temps, mais il y arrive. Sa persévérance est admirable. Ça, c'est... Je sais pas, j'ai oublié. Tout le monde mange des pastèques. Elles sont si juteuses. Oh, ah, c'est Aubrey. Aubrey a des graines sur le visage. Peut-être que quelqu'un devrait lui dire. Ce serait gentil, oui. Kel boit une bouteille de lait, sa boisson préférée. La DA, ouais, elle est vraiment magnifique, quoi. Je ne devrais pas trop m'approcher ou il pourrait mouiller mon appareil photo. Kel, c'est celui qui est responsable. Ah non, c'est Héro qui est responsable. Kel, c'est celui qui embête Aubrey. Non, mais ça va rentrer. On va y arriver. Marie a demandé à Héro de nous prendre en photo. Tout le monde pense qu'une couronne de fleurs me va à ravir. Héro veut un petit bisou. Kel a l'air si blasé. Oh, l'amour fraternel. Ah, ok, les deux sont frangins, d'accord. Et là, il y a tout le monde. Alors, du coup, attendez, je révise. J'ai oublié... Basile, voilà. Basile, Omori, du coup. Donc, je commence à droite. Hein. Ensuite... j'ai un doute. Celle qui est tout devant, c'est Marie ou c'est... Mince. Bah, je sais plus. Héro, c'est celui qui est tout à gauche. Kel, je pense que c'est celui qui est vers la nana, là. Basile, Omori, Aubrey. Ah, c'est Aubrey. Aubrey, elle a le petit nœud dans les cheveux, c'est ça ? Ok. Est-ce que ces enfants ont des parents ? Déjà, on sait pas dans quels univers ils sont. Servira de retenir leur nom, je sais pas. Non, mais c'est pour la compréhension de l'histoire. On fait un pique-nique aujourd'hui. Marie voulait prendre une photo de tout le monde. Dites « Ouistiti ». Après avoir mangé, tout le monde s'est endormi, sauf Héro et Marie. J'ai moi-même un peu sommeil. Kel dit qu'il a pris une photo de lui par accident, mais je ne le crois pas. Oh, des petons. J'adore leur manière de faire les pieds, c'est très mignon. Tous nos pieds en cercle. Est-ce que tu peux deviner quels pieds appartiennent à qui ? Oh, pff. Bah si, Omori. Je suppose que c'est les pieds noirs, du coup.
Les autres, ça va pas être possible. Et ça y est, j'ai fini. Je suis perdu dans les touches. Ok. Ces photos sont toutes si charmantes, Basile. Tu as vraiment un don pour la photographie. Tu auras le temps d'apprendre à les connaître. Ok. Merci. Mais elles ne sont pas toutes de moi, par contre. Marie aime bien voler mon appareil par moment. Seulement par moment. Ou pas, musique d'appât. Et j'ai une idée. Vous voulez passer du temps chez moi? Je viens de planter de nouvelles pousses et j'aimerais les montrer à tout le monde. S'il vous plaît, elles sont vraiment mignonnes. Est-ce qu'elles parlent aussi? Est-ce que les animaux parlent? Donc on sait jamais. Oui, bien sûr, ça a l'air amusant. Allons-y. Ta maison est au sud de l'aire de jeu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je passe mon tour pour cette fois. Allez-y et amusez-vous bien. Mais si vous avez un petit coup de mou, vous pouvez toujours passer prendre un petit pique-nique. J'aurai toujours de quoi vous remettre sur pied. Et vous pourrez même sauvegarder en utilisant mon panier à pique-nique. Allez hop, le quatrième mur. Ah, merci Marie. Tu en fais tellement pour nous. Bye Marie, à la prochaine. On remarquera que le seul personnage à pas parler pour le moment, c'est Omori. Allez-y, amusez-vous. Vous savez où me trouver. Sauvegarder, Kiloel. Il y a plein de personnages. Alors, attends. On va sauvegarder. Panier à pique-nique de Marie. Ça, tu sauvegardes? Oui. Pouit. Incroyable. Nous sommes encore dans le prologue. Je vais me balancer jusqu'à la lune. On dirait un singe. C'est peut-être un singe. Hein. Zone sans boss. Les violateurs seront poursuivis en justice. Sans boss, boss. Sans boss, boss? Ou sans boss, boss? Bah non, il n'y avait pas de E. Sans boss, boss? Nez? Né? Ah, né? Né, ma meilleure amie. Attends, j'ai bugué. Et elle s'appelle Chignon. Elle ne peut pas dire grand-chose, mais elle est vraiment intelligente. Mais elle ressemble vraiment à un nez? Ah, mais oui! Mais c'est vraiment un nez! Né a l'air occupé. Frange, s'amuser demande beaucoup trop d'efforts, alors regardez mes amis, jouer me suffit. Mais ouais. Joyeuse. Hop! Et un hop! Et hop! Et hop! Attends. Viens là, toi. Attends! Ah, bordel! Attends. Non, mais je veux parler à l'autre! Ah, non! Bon, peut-être, on peut peut-être pas. Boîte aux lettres bleue suspecte. Suspecte. Il y a une banane. Il y a tellement de trucs. Une banane éternelle. Bonjour. Salut. Les amis. Ouais, salut, ouais. Il y a tellement de gens. Marguerite. Pardon, veuillez ne pas marcher ici. Je cueille des fleurs pour quelqu'un de spécial. Neb. J'aime les puzzles. Ok. Ohé, Omori, devine quoi? J'ai des projets pour aujourd'hui. De gros projets. Juste un instant, tu vas vite comprendre. Quoi? Mais... Pardon, il répète la même chose. Berly part si vite qu'elle est... Quand elle est excitée, c'est compliqué de suivre. Oui, bah du coup... Hey, attendez une seconde! Vous croyez aller où comme ça? Bah, je sais pas, tu parlais plus. Partez pas sans faire une partie de cache-cache! Faites au moins une partie! Plus on est de fous, plus on rit! Fais parler plusieurs fois aux gens au passage, ils auront parfois des dialogues différents. Ok, bon à savoir. Tu veux encore jouer à cache-cache? Mais Berly, tu sais comment ça a fini la dernière fois? Il y a un petit miaou dans la musique que j'aime beaucoup. Ouais. Désolé Berly, je pense qu'on va passer notre tour. On va aller chez Basile maintenant. Donc, à tout à l'heure. Pas si vite! Vous essayez encore de m'éviter? C'est quoi votre problème? C'est ma tronche? Ou mon apparence dure et rugueuse? Je ne suis pas pire que Boss au moins. Mais qui est Boss?
J'ai bien fait de l'avoir banni de l'art de jeu après ce qui s'est passé la dernière fois. Tiens, je me demande où est passé ce crétin. Bah, bon débarras. Du coup, tu veux jouer à cache-cache, Basile ? Qu'importe, c'est pas comme si on était pressé après tout. Je crois que je vais laisser Omori choisir. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mon apparence rugue. Attends, il a dit quoi ? Je suis buggée sur ce qu'il a dit. Dur et rugueuse. C'est bizarre quand même. Omori, Omori, mon meilleur ami ! Allez, tu sais comment jouer à cache-cache au moins. Allez, vas-y, on va le faire plaisir. Eh, j'en étais sûre. Qu'est-ce qui t'en empêche alors? Allez, jouons, je vais réunir tout le monde. Garde à vous. Ok, Zassico, voici les règles. On va se faire une petite partie de cache-cache. J'ai des pailles dans les mains, vous voyez? Tout le monde va en prendre une. Celui avec la paille la plus courte devra aller chercher les autres. Ça va être moi, c'est sûr. Ça a l'air fastoche, non? Tout le monde a sa paille? Bien! Alors, voyons qui va devoir trouver les autres. En fait, on dirait un espèce de petit dinosaure. Ou un crocodile, je sais pas. Tiens, tiens, tiens! Celui qui a le brin de paille le plus court est Omori! Non! Oh, attends, c'est Omori qui va trouver les autres! Mais Omori n'aime pas être tout seul. Tu es sûr que ça va aller, Omori? Je peux prendre ta place si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout, vraiment. Hé, je vous entends manigancer quelque chose derrière. C'est les brins de paille qui décident, pas moi. Allez les gars, faites pas les... Faites... J'ai cru que c'était marqué, faites pas des bébés. Oh là là, c'est un jeu pour enfants. Enfin, non, non, c'est pas un jeu pour enfants. Oh, je me tais. C'est pas la fin du monde. Omori, t'es un grand garçon. Quand tu seras prêt, va près du poteau de Spiroball et ferme les yeux. Et pas de triche, gare à toi. En haut libre. Bon bah c'est parti hein. 5, 4, ah oui ils ont pas beaucoup de temps. 3, 2, 1, j'arrive. Ah bah, t'es bien caché toi. Hein. Ouah, tu m'as trouvé. Maintenant je peux t'aider à chercher tout le monde. Mais le dis pas à Berly, compris. Ils sont super bien cachés. Ils se trouvent que c'est un peu compliqué de se cacher avec un gabarit comme le mien. Mais c'était quand même marrant. Tant que Berly est contente, ça me va. Nécool. Chut, arrête de parler aussi fort, on va se faire repérer. Nécool, chignon cool. Ah, c'est Né. Ah, chut, Né. On est caché, tu te rappelles? Non mais Né. Né et chignon. Ah bah, trouvez chignon et Né. Né, on s'est fait repérer. Repéner? Repérer. Pas cool. Oh, Né, tu sais bien que je t'en veux pas. Allons jouer ensemble. Les gars ne font généralement pas de bébé entre eux. Non, mais... Ah, il y en a un là. Né, je suis où? J'étais en train de rêver quand j'étais sur une plage privée, pleine de palmiers avec des domestiques qui m'inventaient. Je refais ma propre traduction qui m'éventrait. Quand soudain, patatras, je me retrouve ici. J'ai dû m'endormir pendant que j'étais cachée. Je suppose que c'est game over pour moi. M'éventrer. Oh, tu m'as trouvé. Mince, hé. Allons chercher les autres ensemble, Omori. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Bah, ils sont pas cachés, hein. Uf, uf, uf. On ne joue pas. On s'entraîne. Ok. Alors lui c'est un champion. Ah. Voilà. Ah. Ah mais il y en a un dans la poubelle, non? C'est pas une poubelle. Boing, c'est moi, joyeuse. Tu m'as trouvé, ce qui veut dire que je dois trouver un truc à faire en attendant. Oh je sais, je vais réciter l'alphabet à l'envers. Z, Y, X, W, V, U, O, M, E, O. Non bah en vrai, même moi je mettrais diplôme à le faire. On a tout le monde?
Ah, il y en manque. Ah, c'est celle à qui j'essayais de parler tout à l'heure. Ah ! D'accord. Bon, on a peut-être pas vu parler du coup. Ah, la moustache. Un yo-yo. Ok. Et ça, c'est qui du coup? C'est Frange, ça? Ah oui, c'est Frange. Mince alors, tu m'as trouvé. Je suppose que ça veut dire que j'ai perdu. Tu sais ce que Joyeuse dirait si elle était là? Dire un truc du genre, Frange, faut toujours faire de son mieux. Comment les gens sont que t'es génial sinon? Ça va m'appliquer la prochaine fois, je suppose. Ah, mais je pensais qu'elle était pas cachée. Mais ouais, mais elle est en plein milieu. Attendez, il me reste Berly, Hero et Basile à trouver. Non mais elle était pas cachée du tout quoi. Je vois personne moi. Ça c'est pas nos potes, on est d'accord hein. Pff. Ah mais moi j'avais oublié à quoi il ressemblait son design quoi. Ah salut les gars, vous voyez, je trouve une super cachette mais Shrone et Ren, m'ont invité alors, entraînement quotidien. C'est amusant et bon pour toi. Vous devriez essayer ça. C'est vraiment une sacrée séance. Au purée, je suis essoufflé. Ouah, tu sais vraiment pas comment dire non aux autres, n'est-ce pas, Héro? Allez, viens, Héro, on doit aider Omori à trouver les autres. D'accord, j'arrive. Salut Sean, salut Ren, c'était marrant. Ouais, refaisons ça un de ces quatre. A plus, Héro. Big Brain. Ah ouais, non mais en vrai, Big Brain, parce que je l'avais pas vu, hein. À côté des arbres là-bas. Non, bah là. À côté de Marie. Marie, elle est là. À côté des arbres. Là, il m'en manque que deux, hein. Ah, mais attendez, s'il a les cheveux verts, Basile, en plus, je vais pas le voir, quoi. Dans le panier, tu penses? C'est vrai que j'ai pas regardé, mais... je peux juste sauvegarder. Ah! Ah! Il y a une paille plantée dans le sol, tirée dessus. Oh. Ça vous en a pris du temps. J'ai cru que j'avais étouffé là-dessous. Alors, vous en pensez quoi de ma cachette? Pas mal, hein? J'avoue, pas mal, ouais. T'as trouvé presque tout le monde en plus. C'était inattendu, mais j'aime ça. Faisons l'appel. Et mais il manquait... Ben on n'a pas trouvé... Garde à vous. On n'a pas trouvé... Basile. Bah, you Basile. Derrière le banc. Voilà, c'était évident. Ah, mais non, mais... Vous trollez de ouf. Van, toujours là ma pote. Ah, mais Berly est une fille. Charlie, présente. Michael. Le claque. Aïe, pourquoi? Joyeuse. Présente. Sourcil. Il y a sourcil, d'accord. On va voir sourcil. Frange. Présent. Chignon. Chignon est là. Nez. Nez cool. Héros. Présent. Oh, Héros, c'est le beau gosse de la team. Quel? Ah, t'es vraiment obligé de faire ça à chaque fois, Berly. Non, mais il tarte. Eh, ça va pas, la tête. Basile porté disparu. Aubrey. Présente. Et Aubrey, c'est un peu la princesse, quoi. Où est Basile? Voilà, merci. C'est bizarre. Je pensais l'avoir vu se cacher vers l'arbre là-bas. Basile, où es-tu? Tu nous entends? Basile? Tu peux sortir ta cachette. T'as gagné. Héros, Basile! C'est l'heure du drama ou... Ah non. Eh, Basile là-bas. Non mais Basile, je pouvais pas le trouver, hein. Basile, ça va? Est-ce que... T'es coincé? Ah, c'est Boss. Boss, j'aurais dû me douter que c'était toi. Espèce de crapule.
Rends-nous Basile. Bien dit, qu'est-ce que Basile t'a fait? Basile, notre ami, t'as pas intérêt à toucher à un seul de ses cheveux. Laisse-le partir, boss. Il ne t'a rien fait. Bande d'andouilles. Vous pensez que c'est à cause de Basile que je fais ça? Je sais pas comment faire le... Faites pas les débiles. Vous savez pourquoi je suis ici. Comment osez-vous ne pas m'inviter à votre cache-cache? C'est moi qui vous ai montré comment jouer en premier. Vous ne savez même pas jouer correctement. Comment pouvez-vous appeler ça du cache-cache si vous ne plaquez personne? Oh non, la fleur! Ma couronne de fleurs! Eh, c'est la couronne de fleurs qu'on a faite pour Basile! Comment oses-tu? Coucou néant! Comment oses-tu, lâche-le, espèce de brute? Non! Si je n'ai pas le droit de jouer, alors personne d'autre ne jouera. C'est une zone réservée au boss maintenant. Et je vous ai pas invité. Oh! Donc voilà, ça ressemble pas mal. Le design, j'adore le design, c'est génial. C'est trop bien. Ce crayonné moitié un peu bande dessinée derrière et tout. Enfin, c'est génial. C'est génial. Et du coup, voilà, ça fait très penser à Undertale au niveau des combats. C'est le seul truc que je savais. Que vont faire Omori et ses amis? Bon, on va combattre. Alors, goûter. Est-ce que j'ai des goûters? Gadget. Aptitude. On a quoi dans aptitude? Poème triste. Ah, je peux lui raconter un poème triste. Pareil. Alors, on a les points d'aptitude. Qui sont les espèces de petites gouttes d'eau, là. Et on a nos vies. Ok. Neutre. Ok. Alors, écoutez, on va essayer de dire un poème triste. J'ai envie d'essayer. Utiliser sur qui? Ah, mais je peux pas utiliser sur... Faut que j'utilise sur quelqu'un? Je peux pas utiliser sur lui? Ah bah non, je vais peut-être pas... Quoi que j'ai envie d'essayer. Vas-y, je vais essayer sur quel. Je sais pas pourquoi. Que va faire Aubrey? Aubrey, est-ce qu'elle a des attitudes? Encourager. Elle peut encourager quelqu'un. Ah. Écoutez, j'essaye. On va encourager... héros. Lui, c'est quoi son aptitude? Agacer. Ah, il peut agacer quelqu'un. Shift, ça dit? De quoi shift? Alors, on va attaquer le boss, vas-y. Et puis toi, ton aptitude, c'est quoi? Cuisiner. Ah, il peut peut-être faire à manger pour quelqu'un, du coup? Ok. Agir en premier, réduisant les dégâts reçus par le tour. Ah, mais c'est marqué! Oh, je suis une nouillasse. Soigne 75% des cœurs d'un ami peut être utilisé en dehors du combat. C'est marqué, je suis trop con. Ok, bon, je vais essayer d'attaquer aussi, on va voir ce que ça va donner. Ouais, Omori, il y a un poème triste. Ah, ok, ça lui a fait des dégâts. Tu peux le faire! Aubrey l'encourage héros. Du coup, héros est heureux. Héros est heureux, c'est super chaud à dire. Essaye de le dire super vite. Héros est heureux. Et oh, c'est chaud. Ok. Ah, pourquoi il est triste par contre? Ah, c'est à cause du poème triste, merde. Parce que du coup, son aptitude, elle faisait quoi? Rends un ami ou un ennemi triste. Ouais, mais là, j'ai rendu un ami triste. Je sais pas comment. Héros. Vas-y, on va essayer de l'attaquer directement. Elle est pas mal son aptitude en vrai. Rends un ami ou un ennemi heureux. Après, on sait pas encore ce que ça fait. Est-ce que une personne tape plus fort quand elle est heureuse? Peut-être qu'il y a des personnages quand ils sont tristes, ils sont plus efficaces ou je sais pas. On va essayer d'encourager du coup. Kel. Que va faire Kel? C'est quoi son attitude? Rends un ami ou un ennemi énervé. Vas-y, j'ai envie d'essayer sur elle. On essaye, je sais pas trop ce que ça va donner.
Le problème, c'est que ça va vite, alors j'ai pas trop le temps de voir ce que ça donne. Et lui, il va attaquer. 19 dégâts. Bande de faiblards. Vous appelez ça une attaque? Quel agace Audrey. Tu peux le faire. Ok. Alors du coup... Alors, héros, 15 de dégâts. Bah, ça fait craquer ses doigts. Mais du coup, en fait, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de voir si ça change quelque chose. Le fait qu'il y en a un qui soit heureux. Ah, je sais pas. Ou alors, est-ce qu'on va nous l'expliquer plus tard? Héros, heureux. Et héros, heureux. Appuyez sur shift pour changer de côté. Et je vois pas où c'est noté. On n'a pas de gadget? Non, on a... Non, mince. On n'a pas de gadget. Que va faire Aubrey? Ah, je peux plus utiliser... Ah oui, non, j'ai plus rien. Ah ouais. Ah oui, elle coûte cher, en fait, mon... Bon, on va tous attaquer, allez, hop. Kel, attaque, héros, attaque. Ah mince, on a raté. Kel, il a raté son attaque. Ah, est-ce qu'il rate son attaque parce qu'il est heureux? Eh, ça fait un peu mal. Ouf, ce n'est plus amusant. Héros attaque boss. Boss donne un coup de poing à Omori. Oh non! On a pris des dégâts. Ok, ça, pour le moment, ça va. Il y a plusieurs mécaniques, ouais, je me doute. J'avoue que pour le moment, on va juste attaquer. Il est bientôt fini, de toute façon. Allez, bim. 20 dégâts. Creux. Vous m'avez rendu énervé. C'est l'heure de ma technique spéciale. Vous voyez, lui, il est énervé, donc il peut faire un truc. Plaquage. Pourquoi ils sont en ce moment en tartine? Omori n'a pas succombé. Hein? Comment t'arrives encore à bouger? Je le finis? L'équipe d'Omori a gagné. Ouais, mais mes potes, ils sont morts? Ils sont aplatis. Tu as gagné 32 XP. Tu as obtenu 22 palourdes. Mais mes amis, ils vont bien? C'est pas juste. Une revanche. Je veux une revanche. Oh, la claque. Bon bah mes amis vont bien, écoutez. Au moins il est mortel, ouais. Basile, rien de cassé? Ah, ne t'inquiète pas, ça va aller. Boss, ça va être dur de voir les gens s'amuser sans toi. Mais ça ne te donne pas le droit de ruiner leur journée. Uff, je suis au courant. Ouais, c'est un combat un peu tuto, même si bon, les sentiments on n'a pas encore compris. Voilà, c'est mieux comme ça. Basile, t'es sûr que c'est la bonne chose à faire? Boss file un mauvais coton. Ah, j'adore cette expression. Heureusement qu'Omori a résisté à sa dernière attaque, on serait tous grillés sinon. Ne vous inquiétez pas, je lui fais confiance. Pendant que vous vous battiez, il a fait de son mieux pour que je ne me fasse pas mal. Ah, c'est vrai ça, boss? Humph. C'est du mytho. J'ai pas besoin d'entendre ces bobards. Ils sont grillés. Ah, ils sont grillés comme des tartines. Ah, d'accord. C'est mon arbre, ça. Personne n'est le bienvenu ici. D'accord. Bon. Il devrait pas poser problème tant qu'il reste comme ça. C'est-à-dire qu'on peut enfin aller chez Basile. Ça me semble être une bonne idée. On y va maintenant, boss. Ne cause pas de soucis, d'accord? Super, je suis prêt. On y va. Il y avait quoi sur la pancarte? C'était marqué que c'était interdit pour lui. Pour boss. C'est quoi, ça? Tu fais un pique-nique avec tes amis? Non. Moi, je veux sauvegarder. Alors, du coup, c'est où chez Marie, c'est là? Attends, Maurice, on est censé aller chez moi.
C'est sur le chemin au sud de l'aire de jeu. Ah, pardon. Non, mais moi, le sud, le nord. J'ai demandé une nouvelle pouce, j'aimerais bien que vous les voyez. S'il vous plaît, elles sont vraiment mignonnes. Poulouloulou, pou, pou, pou. C'est par là. Psst. Hé, hey, psst. Toi. Ouais, vous là-bas. Omori, je crois que cette boîte aux lettres nous parle. Tu sais ce qu'on devrait aller voir? Bon, plus rien ne m'étonne ici, moi. Il y a quelqu'un dedans. Oh oui, bonjour, cher client. Bienvenue dans ma boutique. Je vous en prie, achetez quelque chose. Je vais acheter des bonbons, du jus de pomme. Meilleur que le jus d'orange. Ok. Soigne 25 jus. Attends. Ah, mon jus, ça doit être mes aptitudes, je pense. Bonbons, ça soigne 30 cœurs. Osley inflige des petits dégâts à tous les ennemis et réduit leur vitesse. Je peux prendre un cadeau. Ce n'est pas ce que tu voulais, rendre un ami ou un ennemi énervé. Ah, en vrai, d'énerver quelqu'un, c'est peut-être bien. On va juste prendre un jus de pomme pour le moment. Quelle quantité? Bah, un déjà, ouais. 20 palourdes. Allez, hop. Merci beaucoup. Ok, donc on a une petite boutique. Toum, toum. Toum, toum. C'est une indienne. Alors, gare, forêt moulinet, maison de Basile. Écoutez, on va pas trop se perdre. Je sais pas si je peux aller dans les autres endroits. Allons chez Basile. Un arrosoir. Ce sont des tournesols. Ils s'appellent comme ça car ils se tournent tout le temps vers le soleil. Je voudrais être comme eux. Quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses. Oh, c'est beau. C'est mignon. La discrimination, pourquoi? Un arrosoir. Ces fleurs sont du muguet. On dit qu'elles sont capables d'éloigner les mauvais esprits et d'aider les gens à voir un avenir meilleur. J'imagine que ça me appelle Marie. Je peux toujours compter sur elle pour m'aider à rester positif. Oups. Ah, ça, ça sent l'ennemi, non? Ouah! C'est quoi cette vilaine créature végétale? Tu ne sais pas quelle? C'est une taupousse. Les taupousses sont des créatures grandement intelligentes, mais deviennent dangereusement vicieuses lorsqu'elles sont perdues. S'il vous plaît, monsieur taupousse, arrêtez ça! Vous piétinez toutes les fleurs! Je crois qu'il en a rien à faire, hein. D'accord. Attention! Ah, on dirait que cette taupousse est énervée. Comme nous, les taupousses ressentent aussi des émotions. Vu que cette taupousse est énervée, son attaque est plus haute. Ok, donc quand on est énervé, c'est plus haut. Mais d'un autre côté, cela diminue sa défense. Ah, et du coup, peut-être que quand on est heureux, c'est le contraire. On fait moins mal, mais on a plus de défense. Donc c'est le bon moment pour attaquer. Allez, Omori, faisons ça. Alors. Et du coup, si je rends quelqu'un triste... Je sais pas combien la pointe... On va juste attaquer, déjà. Simplement. On va voir. Taupousse perdu prend 16 de dégâts. 11 de dégâts. 16 de dégâts encore. Ah bah elle est morte. Voilà. L'équipe de Mori a gagné. Tu as gagné 22 XP. Tu as obtenu 3 palourdes. Tu as trouvé du tofu. Mori est monté au niveau de... Pourquoi j'ai trouvé du tofu? Ah! La plupart des fleurs sont indemnes. Quel soulagement. Et Omori, maintenant qu'on prend le coup de main pour combattre, voici un journal avec lequel on peut prendre note de tous les ennemis sur lesquels on tombe. Héros, t'as donné journal info ennemi. Ah, ok. Voilà, maintenant il est dans ta poche. C'est à toi de remplir le journal, mais il se peut que nous y participions aussi parfois. Garde-le toujours depuis ta poche dans le menu joueur en appuyant sur X. Ah, j'ai un menu. Ah. Ok. Omori, niveau 2... au break, quel héros? Pourquoi j'ai mon truc qui a baissé? Équipé, poche. Merde. Je suis trompé de touche. Poche. C'est le Pokédex. Donc j'ai du tofu et du jus de pomme. Et le tofu, du carton mou au fond. Oui, c'est du carton mou. Je suis pas fan du tofu, moi. Soigne 5 coeurs. Ok. Ouais, on va pas l'utiliser maintenant. J'arrête. Je me trompe de touche. Important. Info ennemi. Taupousse perdu.
Elle est hostile et moche. Elle sent le linge sale. C'est Omori qui a écrit ça, quoi. Aptitude. Ah, je pourrais peut-être en rajouter plus tard. Oh là. En vrai, c'est super cool, hein. J'aime beaucoup. Le gameplay va être vraiment sympa, je pense. Alors, ça, c'est quoi? Ah, ce sont des fleurs qu'on appelle glaïeuls. Les glaquois? Glaïeuls, aussi connus comme petits glaives. Comme tu peux le deviner, ils représentent la force de caractère. Quelqu'un d'honnête avec de fortes valeurs morales. Quelqu'un qui s'en tient à ses convictions. Les glaïeuls me font penser à Aubrey, car elle est toujours fidèle à elle-même. Oh, je vois. Donc t'es en train de dire qu'Aubrey est super bornée. Eh non. D'accord, continuons. Et ça, c'est des roses. Ce sont des roses. Peux-tu deviner qui elles me rappellent? Omori? Non, Héro. Perdu. Est-ce que tu as bien deviné? Non. Les roses existent dans de nombreuses couleurs différentes et elles ont leur propre et unique signification. Les roses roses symbolisent l'admiration. Les roses oranges symbolisent la passion. Ah bon? Les roses jaunes symbolisent l'amitié. Et la liste continue. Héro ne me fait pas penser à une rose en particulier. Je pense que Héro est un peu comme toutes les roses parce qu'il a de multiples talents et qu'il est aimé universellement. Mais que s'il est gentil, Basile. Cette gentillesse. Oui, oui. Oh non! Un autre Topous! Oh non, pas encore! S'il vous plaît, monsieur Topous, arrêtez de vous agiter! Vous détruisez toutes les fleurs! Oh! Je vois! Cette Topous est heureuse! Elle a plus de chances de toucher nos points faibles et faire plus de dégâts. Attends, c'est pareil que énervé du coup, non? Ça veut dire aussi qu'elle a plus de chances de rater. Ah, t'as plus de chances de rater quand t'es heureux. Attendez, faut que je retienne. Faut que je retienne. Donc là, elle a plus de chances de rater. Et du coup, si je la rends triste... Ouais, mais je vais rendre triste un ami. Plus de coups critiques. Ouais, mais c'était déjà le cas pour énerver, non? Mais énerver, c'était moins de défense et plus de dégâts, je crois. Bon, on va tous faire une attaque. De toute façon, il a pas beaucoup de points de vie. Ok, il n'a pris aucun dégât. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, là. Onze de dégâts. Ah, on a fait moins de dégâts que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen de la rendre triste? Ah oui, shift pour changer de côté, oui, oui. Je l'ai trouvé. Ok. Que va faire Aubrey? Je vais essayer de la rendre triste. Juste pour voir ce que ça fait. Ok, elle se sent triste. Elle roule partout. Et elle perd un jus de fruits. Ah, c'est plus de coups critiques. Ah, d'accord. Plus de dégâts énervés, mais moins de défense. Et heureux, c'est plus de coups critiques, mais t'as des chances de louper. Tu as gagné 14 XP. Tu as obtenu 2 palourdes. On a l'air de rencontrer beaucoup d'ennemis avec des émotions. Ken, tu ne savais pas, les émotions peuvent déterminer la puissance d'une attaque. Heureux, bas, énervé. Ah, heureux, bas, énervé. Donc heureux, c'est mieux quand même. D'accord. Énervé, bas, triste. Et triste, bas, heureux. Ah, et triste, bas, heureux. Ok. Alors, on va essayer de retenir. On va essayer de retenir. Trop haut, c'est nul. Bah, c'est mieux que énervé, quand même. Voilà, j'ai même dessiné un guide pour expliquer leur fonctionnement. Je suis pas un artiste, mais je pense que tu comprendras. Je vais le mettre dans ta poche pour que tu puisses en regarder plus tard. Tenu une charte des émotions. Ah, bah, attendez, je vais aller voir tout de suite. Oui. Alors, donc, quand on est heureux, on a plus de chance et de vitesse, mais moins de précision, donc on peut louper. Donc c'est plus fort que énervé, mais énervé, on a plus d'attaque, mais moins de défense. Fort, énervé, ça reste quand même plus fort que triste. Ouais, c'est ça.
Quand on est triste, on a plus de défense, moins de vitesse. Partie des dégâts au cœur. Jus. Quoi ? Partie des dégâts au cœur, jus. Partie des dégâts au cœur. Ah, on perd. On perd autant de jus que de cœur, c'est ça ? Et après, triste, c'est plus fort que faible. Que faible, que heureux. Ok, ok. Et après, il y a neutre. Après, ça dépend du coup de l'ennemi qu'on a en face de nous, je suppose. Ah, ok, ok, ouais, ouais. On perd plus de mana, ouais. T'es heureux d'avoir une voiture, mais t'es vite triste quand tu vois le prix de l'essence, c'est une logique. Ok, ok, ok. Ça marche. En tout cas, c'est assez original, faire ça avec les émotions et tout. Ouais, c'est quoi le nom de ces fleurs ? Elles sont géniales, elles sont piquantes. En fait, quelle ? C'est un cactus. C'est plus une plante qu'une fleur. Et c'est drôle que tu demandes, parce qu'ils me font penser à toi. Parce que tu ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Et eh bien, ça aussi, mais principalement car les cactus sont des plantes très robustes et résilientes par nature. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de soins et peuvent même survivre dans des conditions a priori impossibles. Je crois que ce que je veux dire, c'est que même toi, tu pourrais prendre soin d'un cactus qu'elle. Ouais, trop bien. Cactus sont géniaux. Et moi, je vais être quoi comme plante ? Bah, il reste que celle-là, de toute façon, non ? Ah ! Voici des tulipes blanches. Simples, sans artifice et bulbeuses. Tout comme Omori. Je suis bulbeuse. D'accord, je sais pas comment le prendre. Je sais pas, je pense juste qu'elles sont mignonnes. Ah bah on est mignonnes, bah ça va. Moi si je suis mignonne ça me va. Et c'est tout, on n'en saura pas plus quoi. Ah pas une autre topous. Tout va bien Basile, on a compris le principe maintenant. Elle bouge pas elle. Ah si ok. Cette topous a l'air un peu triste. Tu vois comment elle est recroquevillée en position fœtale ? Pas trop. C'est-à-dire qu'elle ne fera pas autant de dégâts que d'habitude. Mais elle prendra moins de dégâts au cœur et perdra du jus à la place. Ah oui, voilà, ok. Comme c'est triste. Mettons fin à ses souffrances. Alors du coup, est-ce que ça serait pas mieux de la rendre heureuse ? Parce que triste est plus fort que heureux. Donc si je comprends la logique, est-ce que je ferais pas mieux l'encourager, comme ça la rend heureuse ? Et comme ça elle pourra prendre plus de dégâts. Alors on essaye. Là elle prend 6 de dégâts. 2 de dégâts. Est-ce que là on lui fait... Tu peux le faire ! Là elle est heureuse. Ah et bah là elle prend que 6 de dégâts aussi. Ok. Coucou Daffodil, tu vas bien ? Oups, pardon. Non, je voulais pas encourager, non. Okay, c'est plus fort qu'heureux. Bah ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Faut que tu rendes quelqu'un heureux pour la taper quand elle est. Ah, 25 de dégâts, là. Ah si, c'est mieux que tout à l'heure, du coup. Ok, il court partout. Ah mais du coup on prend des dégâts. 5 de dégâts. C'est qui fait pas de dégâts là? C'est quelle qui fait pas de dégâts? 18 d'XP. Ouais. Ah faudrait qu'on boive du jus peut-être. Tu as tenu 4 par lourde et j'ai du tofu. Aubrey est monté au niveau 2. Kel est monté au niveau 2. Hero est monté au niveau 2. Et a pris masser. Alors, Hero il peut masser. What the fuck? Attendez. Aptitude. Héros. Massé. Retire l'émotion d'un ami ou d'un ennemi. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Massé quoi? Oui, pourquoi massé? On sait pas trop. Est-ce qu'on prendrait pas un petit jus de pomme? Goûter. Jus de pomme. Je donne à qui par contre? Peut-être plus à Aubrey parce que... Voilà.
Je pourrais soigner quelqu'un. Bon, pour le moment, je soigne personne. On va masser les pieds, ouais, c'est ça. Vive la dépression. Coucou tout le monde, vous arrivez juste à temps pour un agréable pique-nique. N'hésitez pas à vous reposer ici. Bah, j'ai bien fait de pas soigner, parce qu'on peut soigner ici. Si vous êtes déjà prêt, j'ai même apporté des fruits. Ok, donc Marie, c'est la save en fait. Faire un pique-nique. Du coup, là, ça fait quoi? Rien du tout, ok. De délicieux fruits, souhaites-tu en manger? Oui! Ok, donc ça en revigoré. Donc là, je suppose que ça nous a donné la vie. Crunch, crunch, crunch! Wouhou, merci Marie, t'es la meilleure! Oh, ce n'est rien, j'essaie juste de prendre soin de vous tous. Oh Marie, j'aimerais être plus comme toi. Tu as toujours l'air d'avoir tout sous contrôle. Mais du coup, je contrôle pas. Basile, ça me rend triste. Ce n'est pas vrai du tout. C'est juste l'impression que ça donne de l'extérieur. Dans tous les cas, tu as vraiment l'air de faire en sorte que tout semble facile. Oui, je suis d'accord. Marie est si gracieuse sans faire d'effort. Petit tour. Tu ne trouves pas Omori ? Oui. Oh, j'imagine que je dois y croire un petit peu si tout le monde le pense. Ma maison est juste en bas de cette route. Tout le monde est prêt à partir ? Je suis prête quand vous l'êtes. On se retrouve plus tard, Marie. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. À bientôt. Coucou Lou, tu vas bien? Fait bizarre de voir ton pseudo comme ça, du coup. Ouais, on est tous soignés. Ah, j'avais même pas besoin de prendre le jus. Ça me remet le jus aussi. On va sauvegarder. Ploup. Et oui, apparemment, c'est un peu horreur. Hein. Mais là, on est dans le prologue. Et je crois que c'est un vrai long jeu. Donc, ça sent le boss, non? Enfin, pas boss, mais boss. Pas boss le boss, quoi. Oh, c'est un gros topous. C'est un énorme topous. Coucou. Oh, c'est un vieux topous. Oh, merde. Bon, on va essayer de le combattre. Alors, est-ce qu'il est énervé? Ou il est neutre? J'en sais rien du tout. La vieille pousse. C'est la vieille pousse. Ah bah bonne gribouille à toi. Moi ça va bien. Un peu fatigué mais ça va. Tout pousse à moustache. Moi aussi j'ai une moustache. Mais... Ah voilà. Duel de moustache, attention. Je sais pas s'il est énervé ou pas. J'ai pas l'impression. 16 de dégâts. On essaye déjà comme ça. 7 de dégâts. 18 de dégâts. 10 de dégâts. Oula, on prend un peu de dégâts. Oula. Ok. Essaye de le rentrer avec Omori ou Aubrey. Essaye de le rendre triste avec Omori et avec Aubrey, tu rends quelqu'un heureux. Maintenant, triste, c'est plus fort qu'heureux. Non, par contre, je peux essayer l'aptitude de héros. Pour voir si. Si je peux lui retirer une émotion. Parce que là, j'arrive pas à savoir s'il en a une. Après, si je rends quelqu'un triste. Non, il faudrait que j'énerve quelqu'un. Parce qu'énervé, on fait un peu plus de dégâts. C'est qui peut énerver les gens? Je crois que c'est qu'elle, il me semble. Attendez. Lui, il va attaquer. Elle va attaquer. Et qu'elle, voilà, agacée. On va agacer héros. Héros, on va attaquer. Non. Ah, bah oui, mais si, il faut qu'il attaque du coup. 13 de dégâts. Héros est énervé. 16 de dégâts.
16 de dégâts. Ok, on a morflé un peu. Ah, c'est bon, on l'a eu. Bon sang, ce combat est assez rude. Mais t'inquiète pas, on peut le faire si on travaille ensemble. C'est vrai que je vais devoir vous apprendre comment fonctionne le travail d'équipe. Essayons de nouveau, Omori. On va l'avoir cette fois. J'ai raté ? Vraiment quelque chose de différent, Omori ? Je suis morte ? J'ai pas compris. Tu devrais voir une nouvelle barre en bas de l'écran avec un nombre sur le côté. Ah oui. C'est de notre énergie collective. En utilisant notre énergie, on peut battre cet ennemi ensemble. Attaque et tu verras. Ok. On va faire des attaques toutes simples. Attends, j'aimerais quand même essayer l'aptitude massée. Un corps, croche-patte. Libérer Audrey, passer à Hero, passer au Mori. Je comprends rien, quoi, qu'est-ce qui se passe? Regardez quel. On peut faire mieux que ça, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le massage. Ok, ça a pas d'effet. Donc, c'est-à-dire qu'il avait pas de... Tu as vu les bulles qui sont apparues quand on a attaqué? Ça s'appelle un relais. Après avoir attaqué, tu peux utiliser de l'énergie pendant un temps limité. Tu peux utiliser cette énergie pour effectuer un coup relais. Ah. Appuie juste sur n'importe quelle des flèches directionnelles et vois ce qui se passe. D'accord, 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 d'accord. Quel bordel, un peu. Bon, du coup, il est neutre, hein, l'ennemi. Hein. Ah, du coup, elle est énervée. Donc, elle a fait un peu plus mal, normalement. Bon, tout le monde a de la vie. Après, il faut pas que j'oublie qu'on peut parer aussi. Hein. Si jamais j'en ai un qui commence à être un peu... un peu pas bien. Alors, faut bien que j'appuie sur les bulles. Ah bah là, je pouvais pas. J'essaie de comprendre. c'est pas évident. Fiu ! Eh bah, ce type est vachement solide. Quand il nous a attaqué, as-tu remarqué que notre énergie a monté ? Quand on prend des dégâts, on gagne aussi de l'énergie. Ah oui, on est à 5 maintenant. On voit comme une opportunité de faire une remontada. D'accord. Ouais, il y en a, ils commencent à morfler un peu quand même. Est-ce que... Mince, triste. Non, il faudrait pas que je le rende triste. Faudrait que je le rende heureux. Ah, mais heureux, il va faire plus de coups critiques. L'ennemi. Pas une bonne idée. Et si je le rends triste, c'est encore moins bien. En plus, il prend moins de dégâts. Ouais, mais il va plus se rater. Ouais, c'est vrai, ouais. On peut essayer de le rendre heureux pour voir. On peut essayer. C'est qui rend heureux? C'est elle. Couragé. Hop. Attaque. Attaque. Ça lui a envoyé des doigts. Tu peux le faire. Ouf. Mais on voit pas sa barre de vie par contre au perso. Bien, on est plein d'énergie. C'est le moment d'utiliser notre attaque spéciale. Omori, après avoir attaqué, appuie sur bas pour libérer l'énergie. J'espère que tu es prêt. Allez tout le monde, montre à ce grand gaillard de quoi on est fait. Allez, on va tous... Non. On va tous attaquer. Tout, 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 tout. Ça libère l'énergie? Ça touche en plein cœur.
Ah mais j'ai encore encouragé quelqu'un? À toi, Mori. Mais j'ai libéré l'énergie. Je suis un peu perdu. Avec Togumori, essaie de rendre quelqu'un triste. Ah, je vais bourriner. Enfin, je vais bourriner, mais on a plus beaucoup de soins quand même. Hein. T'as loupé, il fait droit, t'es pas bas. Ah merde. Attends, on va recommencer alors. Bah là j'ai fait bas mais ça a pas marché. Ah mais peut-être parce qu'on a plus assez d'énergie. Ah, on commence à prendre tarif un peu là. T'as héros, il prend pas de dégâts, je sais pas pourquoi mais... Ah il est bientôt mort, il est bientôt mort. Faut avoir 10 énergies. Ah mince. J'ai vraiment loupé. Oh, 21 dégâts. Pas mal. Ah bah voilà. J'ai gagné 150 d'XP. J'ai obtenu 50 palourdes. Omori est monté au niveau 3 et a pris poignardé. Aubrey est monté au niveau 3. Kel est monté au niveau 3. Hero est monté au niveau 3. Cool. Voilà, tiens, le tutoriel de combat élémentaire de Hero. Et je suis sûre que notre travail d'équipe va s'améliorer avec le temps, vu qu'on combattra plus. Ouah, les gars, c'était vraiment incroyable. Ah, c'était rien, héhé. J'ai mis à terre des gars bien plus grands que ça. Je devrais t'apprendre quelques-unes de mes aptitudes un de ces jours. Vas-y, je sais que t'es pas du genre à aimer te battre, mais c'est aussi bien de savoir comment se défendre. Tu sais, en fait, j'ai travaillé sur un livre sur les combats. On pourrait l'étudier ensemble la prochaine fois. Je le donne à Omori pour l'instant. J'ai obtenu un guide d'aide. Ok. Au fur et à mesure que nous deviendrons plus forts, je mettrai à jour la section relais du guide d'aide. Alors jette-y un œil de temps en temps. Omori, tu dois savoir, quand on gagne de l'XP et monte de niveau, parfois on apprend aussi des aptitudes. Les aptitudes sont puissantes et ont un large éventail d'effets. Mais aucun d'entre nous ne peut se rappeler... Mais chacun d'entre nous ne peut se rappeler que jusqu'à 4 aptitudes à la fois. Après avoir appris une aptitude, n'oublie pas de l'équiper dans le menu joueur, d'accord ? Ouais, on sait. On peut aller chez Basile maintenant? D'accord, c'est tout ce que j'avais à dire. Patience, Kel. Pouit. Ah, pardon. On m'attendait. Pouit. Oh, c'est une chaussure. Oh, on va pas voir la maison de Basile. Ah, si. C'est quoi ces petites taches de lumière toutes mignonnes? Ou des... Ouais. Dis Twistity! Merde, je faisais quelle tête? Comme ça? Ouais, elle est un peu floue. Mais bon, ce n'est pas très grave, ça lui donne du caractère. J'espère que la photo ne vous dérange pas. Bien sûr que non, je vais la voir. Oh, bien sûr. On a tous l'air si mignons. Comment sont mes cheveux? Je veux voir. Omori dit rien. Oh, Omori, tu veux la voir toi aussi? Ah oui, elle est un peu floue en effet. Elle est un peu floue. C'est dommage qu'elle soit un peu floue, mais vous êtes quand même mignon. Je devrais l'ajouter à ma collection. Wouhou, une de plus pour l'album photo. Pousse-toi, Aubrey. Je peux pas voir. Hé, me pousse pas. T'as déjà eu ton tour. Mais dégage, Kel. Attendez, arrêtez, inutile de vous battre. Moi d'abord. Non, moi d'abord. Ah, ça y est. On les a perdus. Ah, arrêtez. Vous allez me faire tomber. Ah bah bravo. C'est malin ça. Oups. Oh punaise. Basile. Je suis tellement désolée. Ça va, Basile? Ça va barder pour vous. Voilà pourquoi vous devez apprendre à bien vous entendre. Je suis désolée, on n'a pas fait exprès, héros. Le dis pas à Marie, s'il te plaît. Tout va bien, ne vous en faites pas. Ça arrive. Oh, on a perdu les photos. Crête bataille de modo.
Ah, 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 ah. J'ai des fourmis dans le pied. Ah, je suis blessée. Tiens, voilà tes photos. Je pense qu'aucune d'entre elles n'a été endommagée. Remettons-les dans ton album photo. Merci, héros. Faisons ça à l'intérieur. Et n'oubliez pas de vous essuyer les pieds avant d'entrer. Nawater, Nawater. Ah, c'est pas agréable. Pou, pou, pou. Alors, la maison de Basile. Vos photos de Basile sont bien le plus précieux. Plein de plantes et de fleurs en pot. Basile est quelqu'un d'attentionné. Il y en a plein. Tonton. Je peux pas regarder le truc qu'il y a sur la table. Ah non, c'est une bougie, je crois. Son petit lit. Un lit ayant l'air confortable. Un foyer. Son feu est chaud. Plein de livres. Il traite majoritairement de jardinage. Tu es prêt à remettre les photos à leur place, Omori? Ah, faut que je remette les photos à leur place. Nickel, au boulot. Bon sang. Je ne pense pas que je me rappelle l'ordre de ces photos. T'en fais pas, Basile. Omori a vraiment une bonne mémoire. Je pense qu'il va s'en charger en deux temps, en trois mouvements. Attends, ça c'est le début, c'est ça? Bah ça c'est la toute... Ça c'est la toute dernière, de toute façon. Attends, Z... Non, W... WQ... Et pourquoi je les mets par-dessus? Ah oui, non. Et je peux pas aller plus loin? Ah mais attends, j'ai pas pris la bonne photo, là. C'est quoi celle après les pieds? J'en sais rien, moi. Ah mais attends, je peux en mettre une là... Et il en manque une là aussi. Ah bah celle-là, elle doit aller là, là. Je pense. Ça, je crois que c'était la dernière. Ça, c'est celle où on pionce. Donc ça doit être celle-là. Ah, mais je peux pas la mettre là. Ok. Mais il manque pas une photo, là. C'est bizarre. Mais... En fait, je crois que le jeu m'aide. Je peux pas me tromper. Souvenir de Basile. Et voilà, comme neuf. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait tomber, Basile. Même si c'était à moitié la faute de Kel. Oui, je jure de ne plus jamais me disputer avec Aubrey. Sauf si c'est elle qui commence. Ne vous inquiétez pas. Je sais bien que vous vouliez juste voir mon album photo. Merci de m'avoir aidé à le remettre en ordre. Pou, 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 pou. Ah, il y a encore une photo. Hmm, c'est bizarre. Cette photo a dû être mal accrochée. Hein, c'est quoi ça? C'est moi qui l'ai prise? Quelque chose sur cette photo me semble... si familier. C'est quoi? Non, c'est pas possible. Marie! Oh bordel! Ok. C'est censé être un jeu d'horreur quand même, donc ça pipou, mais... Ok.